On entend parfois, oh Marie, c'est trop génial, elle a dit oui tout de suite, elle a posé aucune question, elle faisait une confiance aveugle en Dieu. Ah ouais? Vraiment? Quand on regarde dans le texte, Marie, elle pose quand même une question. Ok, Gabriel lui dit qu'elle va enfanter, et elle demande, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? On peut tirer deux points essentiels de cette question de Marie. D'abord, le fait que faire confiance à Dieu, ça veut pas dire renoncer à son intelligence. Donc n'hésitons pas à questionner Dieu. Le deuxième point, c'est quel est le type de question que pose Marie. Elle aurait pu demander, mais pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? C'est pas ça qu'elle demande. Elle demande comment cela va-t-il se faire? Et nous, dans nos vies, si notamment il nous arrive des choses peut-être difficiles, on peut être tenté de demander à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi moi? Je suis pas sûre que ce soit la bonne question. Finalement, Dieu ne nous dit pas le pourquoi des choses, mais en envoyant son fils Jésus, il nous montre une voie, il nous montre un comment nous pouvons vivre les épreuves ou les joies que nous vivons. Alors, on te donne rendez-vous sur Prie en chemin pour une retraite d'une semaine dans l'élan de Marie.